passant sur son chemin soulève leur galure, le chien lui lèche les mains. Sa présence rassure, voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, a traversé la rue dans la paix de son jardin. Il cultive ses roses, monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a bourdon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines, je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur. La 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 la. Car sous son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable, dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourbon à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique. Vous allez prendre, monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre, monsieur, hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur, et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.